Je peux parler un petit peu de français. Et j'ai fait mon première conférence si j'étais 21 ans en France. Alors, c'est malheureusement plus de 30 ans tard, mais OK, j'ai essayé. Et si vous avez des questions, peut-être question un peu traduite ici. OK, première, je veux dire quelque chose de mon team. Le projet MyCityMap, ce n'est pas mon projet, hein, c'est un projet d'un team. Et Christian dit, à ce moment, nous avons un projet européen, Erasmus Plus, mais le team qui fait les apps et les portails, c'est les gens là. C'est Daniel, il est un enseignant informatique et sport. C'est Jörg, il est un mathématicien. C'est Simone, c'est un étudiant qui fait le doctorat en mathématiques d'éducation. Martin, c'est un enseignant de mathématiques et de sport. Et Ivan, c'est un petit peu un cliché. Il est un programmeur et il est un Russe. Dans l'Allemagne, on a beaucoup de gens qui reviennent de la Russie et faire des codes pour les computers. Alors, c'est un petit peu léger. OK, ça, c'est mon team. Et mon marteau, qu'est-ce que c'est? C'est un conglomérat de 7 partenaires. Le partenaire Lyon 1, c'est Christian Merka et son team. Nous avons 2 partenaires de Portugal, de Lisbonne et du Porto. Et nous avons un partenaire qui est oui, la Fédération Española des Sociedades Professores Matemáticas. Je pense là même que nous sommes en France, oui, c'est le même. Et nous avons une université en Slovaquie. Et encore, on a une petite c'est quelques mots, quelques gens qui font des apps très bons. Hein. Alors, OK. Ça, c'est notre team. Et ils sont Lisbonne, Porto. Non, c'est pas vrai, ça. Ah, oui, c'est Santander, Lyon, Francfort, Berlin et Nitra. OK. En plein air. Normalement, si l'enseignant mathématique est dans la classe, oui, et l'enseignement ne doit pas toujours avoir lieu en classe. Alors, pour moi, j'aime aller dehors, faire mathématiques dehors. Et références historiques, culturelles peuvent être faites, et aussi l'application de mathématiques. Et en centre, qui tu fais la mathématique en dehors, et l'application de mathématiques et la modélisation ici. Et aussi, mathématiques en plein air, s'inscrire dans résolution des problèmes, communication, connexion et représentation. Des questions. Parce que je travaille à l'université, il faut toujours poser des questions. Oui, alors, en question est où et comment peut-on trouver des problèmes et des tâches ou épreuves, des lieux réels pour les cours de mathématiques? Ou comment combiner de nouvelles technologies avec les méthodes d'enseignement traditionnelles? Et que font les professeurs de mathématiques lors d'une journée d'excursion? Normalement, si tu es enseignant, enseignante, biologie ou géographie, c'est pas un problème. Une journée d'excursion, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, si tu es à Lyon, vous avez faire une journée à MMI, hein? Oui, ça c'est bien, mais en Francfort, on n'est pas ça. Et Lyon, c'est très loin, ouais, pour nous. Hein? Et normalement, les élèves n'apprend pas le français, elle apprend l'anglais et latin ou espagnol, mais pas le français.
Et les mathématiques en plein air sont-elles vraiment motivantes pour les étudiants? C'est une question. Hein. Parce que moi, j'aime. Mais les étudiants, s'ils aiment aussi, c'est une question. Hein. Et en dernière, est-ce que les élèves apprennent mieux en exécutant des parcours de mathématiques avec du mobile? Hein? Alors, c'est aussi hein, une question. C'est mieux faire des mathématiques en classe ou c'est mieux aller dehors, en plein air, faire les mathématiques là? C'est une question. Hein. OK. Je vous dis quelques remarques concernant la modélisation. Normalement, résoudre des problèmes ou des tâches authentiques, normalement, c'est passé dans la classe, dans les classes. Et vous donnez les élèves une image, un texte. Oui. Par exemple, comme ça. Là, un conteneur. Et il faut estimer le volume de ce conteneur. Et OK, c'est clair, c'est un prisme. Mais pour les élèves, c'est pas clair. Hein? Parce que normalement, un prisme, c'est comme ça. Il est comme ça. Hein? La face ici, cette face ici, c'est normalement parallèle de comme ça. Et le prisme est comme ça. Alors, c'est un petit peu une question modélisage. Et plus de questions modélisage, il n'y a pas de. Tu sais qui il est, hein? C'est hier, c'est une personne de mon team. Et nous prenons cette spéciale. C'est très important pour faire une mathématique en plein air. Tu vois que il est peut-être 1,70 m, alors ça c'est peut-être 1,30 m, et alors tu peux estimer toutes les longueurs et comme ça. Mais pour moi, ça c'est pas vraiment très authentique. Hein. Pour moi, la mathématique authentique c'est dehors. Hein. Oui. Ok. Modéliser en classe de mathématiques. Peut-être vous connaissez cette cycle modélisation de Bloom et Lies. Je sais que dans la France, il y a aussi, vous faites aussi des modélisations, mais vous avez de l'autre littérature normalement. Hein. Alors j'ai essayé de traduire le monde anglais, mais normalement, vous avez un problème de monde réel. Il faut comprendre le problème de tâche. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est simplifier et structurer. Et la troisième étape, c'est mathématiser. Et vous avez une modélisation mathématique ou un problème mathématique. Alors, il faut travailler mathématiquement. Et vous avez une solution mathématique et après ça, il faut faire une interprétation de résultat de solution mathématique d'une solution réelle. Hein. Alors, ça c'est la réalité, ça c'est le monde de mathématiques et pour un résultat, pour une solution réelle, il faut la interprétation. Et la sixième étape, c'est la validation. Et la septième, c'est la présenter le résultat avant la classe, comme ça. Faire la mathématique en plein air, il ne faut, spécialement avec le smartphone, nous seulement occupés de deuxième étape et troisième étape.
Oui, parce que trouver un modèle réel à probabilité et un modèle mathématique pour résoudre une tâche de modélisation, c'est étape 2 et étape 3. Ça, c'est les deux étapes. On s'occupe dehors. Et décider quelques données doivent être collectées. Je vous donne un exemple. Par exemple, calculer la masse de cette roche ou pierre à Camps Bay. Et tu sais qu'un centimètre cubique correspond à 2,6 grammes. Alors, ce n'est pas une boîte, ce n'est pas un cylindre, ce n'est pas un prisme, mais il faut prendre un de ces modèles. Parce qu'on n'a pas d'autres, alors ces différents modèles sont possibles, une sphère, un cylindre, cuboïde, boîte, un prisme ou un ellipsoïde. Et ça dépend de stage d'élève. Si tu as des élèves de 12 ans, des élèves seulement c'est de boîte ou de cuboïde, le 15 ans, le cylindre, 14 ans, le prisme est comme ça. Alors, cette tâche est pour beaucoup des étages au niveau scolaire. Et ça, c'est un grand avantage de cette épreuve. Tu donnes à beaucoup d'élèves et en chaque niveau scolaire, il y a des différents modèles mathématiques qui sont possibles. Et le problème est parce que nous avons une application pour le smartphone, et l'application smartphone seulement accepte en solution. Elle ne sait pas que tu as 12 ans ou 15 ans ou 14 ans ou comme ça. Alors, la tâche pour les ingénieurs ou les gens qui posent la question, posent le problème, posent la tâche, il faut réfléchir, OK, alors, si la personne sait ou pense que c'est un grand cubite, alors la longueur est 1,12 m, la largeur 78 cm et la hauteur 58 cm. Et on a une erreur de mesure de 2 cm, c'est normal. Regardez, on ne peut pas mesurer exactement, alors il faut une erreur de mesure de 2 cm ou peut-être 3 cm. C'est comme tu veux. Alors, vous avez un volume et alors un résultat réel. Et ce sont 1320 kg plus minus 100 kg. Et si on prend les grands cylindres avec rayon 39 cm hauteur, on voit chaque le même. C'est chaque le même. C'est intéressant. C'est chaque le même. Et si on prend le cylindre avec un rayon moyenne, alors un grand rayon, un petit rayon, on fait la moyenne, on est 1000 kg. Et l'ellipsoïde, c'est un mauvais, un modélisation très mauvais, parce que ça, c'est seulement 500 kg. Alors, ces trois solutions, ce sont bonnes solutions. Alors, et l'application, il faut accepter toutes les trois solutions. C'est un problème et nous avons une solution pour ça. Ou notre tâche réelle, ça c'est une rampe et ces rampes à une pente. Et la question est, cette pente est combien la pente? 2%, 3%, 5%, comme ça. Ou
La vitesse d'un escalateur. Ça, c'est très intéressant pour poser les élèves parce que normalement, vitesse, c'est vitesse d'une voiture ou comme ça, une bicyclette, mais pas d'une une vitesse d'un escalateur. Et ce n'est pas très dangereux hein, parce que les escalators sont très lentement. Alors, ça marche très bon. D'accord, ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font ça. La recherche pour possibilité de faire des classes mathématiques en plein air. Dirigeons-nous, j'ai une vieille idée. Et les vieilles idées, c'est du but des idées du parcours de mathématiques et en Australie, de Melbourne, hein, dans le sud de cette d'Australie. Et il a fait un cahier Mathematics Trail Around the City of Melbourne. And so this was a ce sont les premiers. Pardon. Ah, ok. Ah, j'arrive hier très tard, alors je ne peux pas essayer beaucoup de français. Hein. Alors, ok. Malheureusement, je. Oui, ok. Peut-être demain matin, c'est mieux. Hein. Ok. Alors, Dudley Blaine et Clark fait ça 30 ans avant. Mais le problème est que en 7 ans, il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas de possibilité de distribution. Oui. Il y a quelques gens dans les États-Unis et dans le Canada qui font ça aussi, au milieu de 99, hein, mais et aussi en France, oui, mais il n'y a pas un jumelage de tous les projets. Hein. Il y a aussi un projet dans les États-Unis qui fait un plan avec qui fait un plan d'Internet, mais avant l'Internet 2.0 ou 3.0, si les gens peuvent échanger les idées et comme ça. Ok, pardon, hein, c'était pas bon. Hein. Non, oh, pas bon. Je sais. C'est comme le match de football allemand contre Mexico. Hein. C'est le même. Hein. Mais ce soir, c'est la France qui joue. Oui, ok. Bonne chance. Hein. Ah. Ok, il faut parler sur mathématiques. Ok, ok. Qu'est-ce qu'un mastrail, parcours de mathématiques? Alors, la définition qui donne les gens 30 ans avant, est comme ça. Un mastrail se compose généralement d'une séquence de plusieurs emplacements, places spéciaux, les élèves arrêtant pour explorer les mathématiques dans ces lieux, dans ces places. Alors, si tu fais le parcours de mathématiques demain après-midi, tu vas voir beaucoup de places très jolies de Lyon où Christian fait beaucoup de tâches, des épreuves, des problèmes. Une guide ou une carte parcours de mathématiques montre les endroits où vous pouvez formuler, discuter et résoudre des problèmes. Alors, pas seulement résoudre, mais aussi formuler et discuter les problèmes des tâches mathématiques. Et ça, c'est très important, intéressant. Et les solutions devraient être écrites sur le kit trimestriel. Et la durée des épreuves est entre 5 à 15 minutes, parfois 30 minutes. Hein. Et les tâches ne sont pas seulement basées sur le programme d'école. Hein. C'est tout. C'est pas seulement cylindre, de géométrie. C'est quelque chose complètement différent. Et c'est pas seulement pour les étudiants et pas seulement fait par les enseignants. Ça veut dire les gens ont
Melbourne, il fait ça pour des familles. Les familles sont faire cet parcours mathématique avec des petits enfants, avec des grands enfants. Et c'est une, comment dire, Volkssport. Qu'est-ce que fait toutes les familles? Alors, c'est impossible, hein? C'est incroyable, c'est toutes les familles de Lyon faire ton parcours en maths, mais en Melbourne, c'est passé, hein? 30 ans avant. Ok, peut-être que c'était très langweilig en pétant en Melbourne. Ok, okay, des commentaires. Je n'ai pas traduit ici parce que ce sont des commentaires, mais je pense que tu comprends ça. The main thing was that they have found a lot of interesting questions to think about. They were using mathematical thinking in a carefree, non-threatening environment, and they were having fun. Ça veut dire que il prend, et pour moi ça c'est très important, ça veut dire qu'elle n'a pas peur. Normalement, et malheureusement, beaucoup des enfants, beaucoup des élèves ont peur de faire mathématiques. Et elle a peur parce que dans la salle de classe, il y a un enseignant. Et mais c'est normal, il faut un enseignant dans la salle de classe, mais elle ou il est derrière et fait comme ça, et les élèves ont peur de ça. Oui? Et ça veut dire qu'il n'y a pas de personne qui sait si c'est OK ou si ce n'est pas OK, et tout ça. Et la dernière fois, the outdoor environment offers an authentic context for learning and provides opportunities for pupils to develop a wide range of important cognitive, personal, social and emotional skills. Alors, ça c'est très bien, mais c'est pas très académique. Hein. C'est une émotion de Madame Moffett hein, qui dit ça. Alors, mais parfois, merci. Parfois, les émotions et c'est la vérité. Hein. Nous vont faire des études de ça, de cognitive skills. Ok, les émotions et intérêts, les émotions et l'intérêt sont très corrélés avec les performances de mathématiques. Ça veut dire, si tu es très content avec l'enseignant et la mathématique, ta performance est très bonne. Et les mauvaises élèves, ils n'amusent pas. Hein, totalement, elles ont peur et s'ennuient pendant les cours de maths. Hein. Et un mauvais élève, il ne donne pas de questions. Et c'est un problème. Hein. Alors, il faut faire la situation. Cet élève a du... s'amuse, dit oh, mathématiques c'est bien, hein? J'aime la mathématique et peut-être après ça la performance de mathématiques est mieux. On avait aussi la positive influence de embodiment. I don't know, je ne sais pas le embodiment. Ça veut dire que normalement je pense que beaucoup avons des enfants et les enfants
commencer de 1, 2, 3 avec les doigts. Oui, ça c'est normal. Et il y a autre concept en mathématiques qui sont commencés avec le corps. Oui, c'est normal. Par exemple, la volume. Oui, ou si tu sais que c'est très long et Christian, tu peux expliquer l'ébaudiment? Vraiment incarné. Ok, incarné. Alors, nous savons que les activités physiques des élèves ont une influence positive sur l'apprentissage cognitif dans les cours de mathématiques. Alors, qui les élèves faire des exercices avant des classes de mathématiques, la performance est mieux. Oui, parce que il y a beaucoup de blood, sang dans la tête, peut-être, je ne sais pas, mais c'est un résultat académique. Hein. Et ça, j'ai traduit ici. Alors, la mathématique incarne, hein, et une perspective d'apprentissage des mathématiques qui suppose que concepts mathématiques sont générés. Ok. Pardon, ça, c'est pas moi, ça, c'est Google. Hein. Ok. Mais peut-être vous voulez ça. Embodied mathematics perspective of learning. Math, which assumes that all mathematical concepts are won by creating metaphors from physical experiences. Without physical basis, these concepts could not sort sensible. Encore une fois, le concept de symétrie. Oui, la symétrie, comme ça et comme ça, ça c'est un concept de mathématiques. Si tu veux expliquer ça, tu peux prends ton corps, et ça c'est un concept mathématique qui a besoin d'expérience physique. Par exemple, dans l'école maternelle, quand les enfants font des images symétriques, avec comme ça, tu sais peut-être, alors... Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un positif, c'est très positif que tu utilises ton corps. Et ça, c'est ce que je veux dire. Ok, et tout ça, on fait ensemble et on a de l'authenticité, l'incarnation, l'émotion et l'intérêt, les énergies, la partie passion et la communauté, et aussi l'environnement, la technologie nouveau. Et nous prenons ça pour faire le projet MS City Map. Alors, le projet MS City Map, il y a beaucoup d'institutions qui donnent de l'argent pour ce projet. Et c'est la Et le mieux, c'est européen, la Union européenne. Hein? Alors, et le projet est le Montmartre. Ok, je vais expliquer les idées et contexte technique. D'abord, le premier est la base des données et un portail. Nous pensons où l'utilisateur il a pu choisir beaucoup de tâches qui sont dans cette base de données. En Lyon, je pense mieux de 200. 200 tâches est déjà dans cette base de données et l'utilisateur peut cliquer sur cette tâche et faire un parcours de mathématiques.
Après, tu fais ça, le système génère un guide en papier, hein, un PDF. C'est très facile. Hein. Mais ça, c'est la technologie de la ceinture, non, de la 20e siècle. En ce moment, nous sommes dans la 20e siècle et on peut faire ça aussi dans la MyCityMap app. Alors, les épingles, les pins ici, chaque pin est en tâche, hein, ou une épreuve. Okay. Et les deux choses, ça c'est le projet, ça c'est le contexte technique derrière le projet mathématique MyCityMap. Alors, les tâches, les épreuves sont marquées sur une carte avec une épingle. Oui, un épingle. Alors, c'est une carte du monde et tu vois qu'on a beaucoup de tâches sur le monde, mais il faut faire des zooms à Lyon. Ouais. Villeurbanne, ça c'est mon hôtel hier soir. Pas climatisé, pas internet, pas Canal Plus, pas du sport, mais bon vin. Alors, ok. Alors, c'est le travail de Christian Mercat et des étudiants. Hein. Patrick Verger aussi, oui, aussi. Ok. Alors, mais tu cliques de pin, par exemple, ou et ça c'est le route, c'est le parcours de maths. L'auteur est Christian Mercat et il faut commencer ici et tac. Hein, et ça sont 22 ou 23 ou 25 tâches. Mais c'est très long. Hein. Alors, tu as besoin 6 heures. Hein. Oui, c'est ça. Mais tu veux du point. Hein. C'est ça. OK. Et vous pouvez regarder les tâches et les missions et des solutions dans le portail. Par exemple, si tu cliques sur un pin, une tâche pop-up apparaît, oui, merci. Et si tu as registré, normalement, il ne faut pas registrer dans ce système, mais si tu n'as pas registré, tu sais me voir ça. Mais pas ça. Ça, c'est très intéressant pour les enseignants, parce que ici, ce sont des solutions et dimensions et comme ça. OK. Hein? Ça, c'est une épreuve chantière des géants. Et vous pouvez, l'artiste Léon Bourgeon a installé une cône de chantière géant sur le campus de l'INSA, sachant que chacun cône de chantière normal mesure 50 cm haute. Combien de fois a-t-il été agrandi pour réaliser cette œuvre? Alors, niveau scolaire minimal, 7, mots-clés, géométrie, mesure, volume. OK. Je ne sais pas pourquoi volume. C'est un étudiant de toi? Ah, OK. Peut-être cette épreuve n'est pas publique. C'est public ou non? Et pas grave. OK, mais tu sais, normalement, ce n'est pas possible faire la solution seulement avec le texte et l'image. Ce n'est pas possible. Il faut être avant l'objet.
Oui. Alors, vous pouvez résoudre la tâche près de l'objet. Ce n'est pas possible faire ou tu peux estimer. Bien sûr, mais parce que tu reçus des points et si tu donnes une solution faute, tu as gagné 10 points moins. Hein, comme ça, comme ça. Alors, les élèves veulent raten, gagner plus de points. OK, les textes des tâches apparaissaient sur les smartphones ou utilisaient un guide de papier. Et cette PDF généré automatiquement. Alors, normalement, vous avez un smartphone et l'app demande choisissez un point de départ, oui ou non. Si tu dis non, il est comme ça, il y a toutes les tâches appareil et ça c'est le même en guide en papier. Hein? Et si je dis oui, on a des possibilités de choisir de qui tâche je veux commencer. C'est très important parce que si tu fais ça avec votre élève, c'est pas possible que 20 élèves ou 30 élèves commencent la même tâche. Alors il faut séparer trois élèves, faire un groupe, et par exemple groupe 1 commencer à tâche 1, groupe 2 commencer à tâche 2. Ok, ça c'est l'idée. Alors on prend cette là, la trame de la fac, FAC, fac. Okay. Fac. Alors la trame dans la fac, le tram parcourt le campus de la DOA et entend une vitesse maximum à certains endroits. Calculez cette vitesse. Ok. Si je clique ici, la trame, seulement 7 pins apparaissent. Hein? Parce que je commençais avec la numéro 2. Et le numéro 2 est ici. Alors ça, c'est plus facile. Normalement, si tu as le GPS, votre position est aussi dans l'app et tu sais exactement où est la tâche. OK. Alors, tu cliques et tu sais, ça c'est le même texte parce que le système fait cette PDF automatiquement. Hein, c'est le même texte. Seulement un fois l'image, un fois le texte. Et si tu as des questions, ici, tu as mentions, indices, oui. OK. Et les aides stockées pour les preuves pour extraire par l'application. Hein, par exemple, ici, et c'est un très important indice, hein, prenez la trame. Ouais. Et ici, seulement un indice. Normalement, vous avez la possibilité pour trois indices. Et normalement, mais je pense que tu fais ça, ou tes élèves font ça deux ans avant. Hein. Et mais moi, j'aime cette tâche. C'est bien. Oui, c'est bien. Parce que les trams sont climatisés. Hein, et, OK. Alors, good. La solution est vérifiée par l'application. Oui, alors, tu calcules quelque chose, tu fais ta... OK, tu donnes
dans la solution. Et cette réponse 10,8 est acceptable. Hein, ce n'est pas bien juste, bien fait, c'est seulement acceptable. Hein. Pas parfait, mais acceptable. OK. Nous avons en ce moment quatre formats pour les réponses. Nous avons la solution exacte. Mais la solution exacte, ce n'est pas très souvent parce que la vitesse pour cette trame, si tu mesures quelque chose, je pense 10 km à l'heure à 8 km à l'heure. Hein, c'est toujours une range, un intervalle. Oui, ça, c'est toujours un intervalle. Mais il y a la possibilité, par exemple, pour c'est une pour les élèves dans le premier niveau ou deuxième niveau, par exemple, combien de places sont ici, hein, c'est possible une solution exacte ou une tâche de combinatoire, c'est aussi une solution exacte. Oui. Vous avez aussi la possibilité d'un choix multiple. Nous avons quatre possibilités et pas seulement un, c'est aussi possible deux ou trois. C'est la vraie solution et tous les trois, il faut cliquer. Oui. Et des intervalles, je veux dire après, et des processions. Ça, c'est nouveau, processions. Nous avons la possibilité, tu sais que tu es. Que tu es avec le GPS. Hein. Google, aide-nous avec ça. Oui. Et peut-être en 10 ans, nous avons le système européen, le Galileo, où il nous ne perçoit pas le GPS. Hein. Mais c'est seulement une histoire. OK. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que. Faire un triangle dans votre cahier exercice, c'est facile. Un triangle avec équilatéral. Ah, c'est le même, OK. C'est un triangle équilatéral de 6 cm. C'est facile de faire dans votre cahier exercice. Mais faire un triangle équilatéral de 70 mètres dehors, ce n'est pas plus facile. Mais il y a beaucoup d'idées comment faire ça. Et par exemple, c'est le point 1. Je clique en l'app, le point 1, 70 mètres. Et le troisième point, c'est le point qui est très intéressant. Et si tu penses que tu as trouvé ce point, il faut faire aussi clic. Et après, l'app contrôler les solutions. Ou tu peux essayer où est le milieu entre deux points. Par exemple, entre les deux stops de tram, par exemple. Hein, où est le milieu. Comme ça. Of course, bien sûr, il faut vous qui donne le milieu, qui sait, OK, ici, c'est le milieu. Hein, alors, c'est vous qui faire ça. Encore, les intervalles. OK. OK. Nous ramène que la solution est 82, hein, par exemple, 82 mètres, 80 km à l'heure, comment et pour chaque épreuve, les intervalles pour les réponses correctes, acceptables et mauvaises sont définis par plusieurs experts. Pas seulement un, ce sont plusieurs, deux ou trois qui font une solution de cette tâche. Parce que chacun a une autre méthode de faire ça. OK. Par exemple, ici,
mis en jeu, la réponse est juste dans cet intervalle. Et cet intervalle, ça dépend qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais. Si tu seulement mesures une longueur, l'intervalle est très petit. Hein. Si tu fais une R, c'est plus mieux grand. Et pour un volume, parce que tu as multiplié trois valeurs, hein, la hauteur, la longueur, la largeur, oui, alors ça fait un intervalle très grand. Hein, tu pensais que le mieux de donner le plus grand intervalle. C'est comme ça. Mais ce n'est pas une règle très fixe. Hein. Ça dépend de l'objet. Par exemple, si tu veux, qu'est-ce que l'air de cette table, je pense, en ce moment, l'intervalle est très, très petit. Mais si tu as une... qu'est-ce que l'air de cette astral? C'est pas clair parce que c'est pas un cercle, c'est pas une rectangle comme ça. Ok. Vous avez aussi la réponse est acceptable et mauvaise réponse aussi. Hein. C'est comme ça. Alors en ce moment, alors hier. Bien joué, acceptable et mauvaise réponse. Mais mauvaise réponse, ça veut dire tu peux skip. Skip. Passer. Tu peux passer un étage. Alors, il va gris. Mais si tu as aufgeben. Tu sais, yeah. Ok. Oui, c'est ça. Ça fait rouge. Mais l'application donnez-vous la solution. Et tu sais, ah, ok, comment? Mais tu ne peux pas faire encore une fois. Alors ça, c'est fini. Et ça sont les bleus. Allez, les bleus. Alors les bleus ici. Ah, pardon. Alors, les bleus et peints sont les tâches qui ne sont pas solides. OK. Et tout le monde peut créer des épreuves et utiliser des épreuves publiques pour un parcours privé. C'est l'idée de participation. Oui? Alors, Christian Marquin fait beaucoup des étages, beaucoup des étages publics. Alors, si vous voulez créer un parcours de mathématiques, vous pouvez prendre les tâches de Christian. Mais ils n'ont et sous la tâche. Chacun sait, ah, cette tâche est faite par auteur. Oui, c'est ça. OK. Et avec les épreuves et les feuilles des solutions, vous pouvez continuer à travailler avec les élèves dans les classes. Normalement, nous avons des guides en papier, oui, et de application de smartphone. Hein. OK, ça c'est, on a fait ça aussi dans la Chine et dans d'autres pays. Alors, comme ça. Yeah. OK, comment travaillez-vous avec l'application? J'ai une vidéo pour vous. Et cette vidéo est son, parce que... je vais dire quelque chose en français pour vous. Okay. Oh. Oh. Non. OK.
OK. Alors, ça, c'est l'index de tout le parcours en mathématiques qui existe en public. Il y a plus de parcours mathématiques privés, hein, mais ce sont tous les parcours mathématiques du public. Alors, il faut télécharger les dates ou les données pour le map et les images, bien sûr, les images. Sorry, pardon. Oui, ça dépend de votre internet connexion et comme ça, mais normalement c'est 1 minute, mais pas plus. Et les enfants, les élèves peuvent faire ça à maison, hein. Parce que notre application, ça fonctionne sans internet connexion. Il faut télécharger un fois, c'est tout. Et après, il fonctionne sans internet connexion. C'est très important. Par exemple, si tu fais un parcours de maths dans l'Auvergne, par exemple, ou Calais, pas, nord de Calais, je ne sais pas. Alors, nous avons aussi des régions dans l'Allemagne où il n'y a pas d'internet connexion. C'est normal. OK. Alors, malheureusement, c'est dans anglais, mais tu sais, il faut sectionner un départ, c'est ça. Okay. Alors, ici, c'est un étudiant de moi et la question est, il faut aller de cette pin et cette image où à cette position on trouve cette box. Bon, OK. Merci. OK. Regarde sur l'application. Et tu vois que il vient comme ça. Okay. Tu prends plus vite. Ah, ici. Alors, OK. OK. Alors, l'image ici est la même ici. Okay, ça, c'est très important parce que parfois, il y a des objets similaires. Hein, il faut exactement cet objet. Ça, c'est le texte. Alors, il faut calculer le masse de cette banque. Et c'est la densité. Normalement, je ne dis pas densité, je sais 1 cm de cubique à 200 ou 2,6 grammes, c'est mieux, hein, pour les enfants. OK. Les étudiants font la mesure et ou voir les indices pour ça. Et la première fois, ça ne marche pas. Hein? Mauvais
repose. Et la deuxième fois, check. OK, bien fait, bien joué. Et peut-être, ça c'est... Vous pouvez, après, vous donner votre solution. Vous pouvez regarder la correction, si tu veux voir, et les mesures. Et, ah, OK, 1m15, et moi, j'ai 1m16, et comme ça. C'est peut-être pourquoi il y a une différence. Alors, le pin est vert et il pense qu'il faut aller ici. Ah non, dans cette direction, parce que ici, c'est la prochaine tâche. Un petit peu du temps. Hein? Okay. On a fait plusieurs des études expérimentales ou scientifiques pour la motivation dans l'Indonésie et aussi en Francfort. On a fait learning study, je pense que tu sais que c'est ça. Apprenez-vous mieux en utilisant un parcours de mathématiques. Ou pourquoi les enseignants utilisent MassityMap et pourquoi pas, et une gamification study. Alors, le résultat de recherche, les étudiants sont très motivés pour faire des mathématiques en plein air avec smartphone. On a fait des études dans l'Indonésie et nous faire ça avec le Self-Report Situational Motivational Scale. Et je veux dire quelque chose. La motivation est séparée, c'est différents modèles, mais si tu prends ce modèle, la motivation est partagée dans 4 dimensions. Hein, et la première dimension est la motivation intrinsique, c'est parce que moi je veux ça. Ça me plaisir. Hein. Alors, c'est la motivation intrinsique. Et l'autre dimension, c'est la identified regulation. Ça veut dire il faut ça, il faut faire ça parce que je veux une bonne note ou beaucoup de points comme ça, ou je fais ça parce que mes parents veulent que je fasse ça. Hein? Okay. Non, ça c'est l'external regulation. Les parents, c'est ah, il faut faire ça, alors je fais ça. Ou le professeur dit il faut faire ça, alors je fais ça. Et La quatrième est je ne sais pas pourquoi il fait ça. Alors ça, c'est les 4 dimensions. Et nous avons beaucoup de statements. Alors pour intrinsique motivation, parce que cette activité fait plaisir. Ou parce que je pense... cette activité est très importante pour moi. C'est la identified regulation et la external regulation parce que je pense qu'il faut faire ça. Et je fais cette activité, mais je ne sais pas si c'est bon ou non bon. Alors, le résultat est que les élèves
très motivé intrinsèque. Hein. Vous voyez ici, c'est la 6. Le meilleur, c'est la 7. Not agree at all, c'est la 1. C'est ici, là. Alors, ils sont très motivés. Et c'est un index qui est très compliqué, hein, mais c'est minus 18 jusqu'à 18. Et normalement, la motivation pour la mathématique est minus 2, minus 3, comme ça. Hein. Mais nous avons fait ça et il y a plus 6, hein, ça c'est très bon. Et tu sais, le outdoor, le smartphone et l'application des maths, ça sont les très importantes dimensions pour faire la motivation très positive. Oui? Alors ici, c'est ça, la outdoor, c'est l'application et c'est la mobile technologie. Ça, c'est les gens, les élèves, elles aiment ça très beaucoup. Hein. Et ce n'est pas une motivation très courte, c'est une motivation très longue. Alors, ça, c'est le pre-study, alors l'an avant. Et ça, c'est la motivation. Alors, dans 2015, nous commençons avec l'étude et on fait encore une fois le 2016. Alors, et ça, c'est la même motivation, presque la même motivation. Et ça, c'est très bien. Alors, les performances des études, s'améliorent après l'utilisation du système dans certaines conditions. Ça veut dire, on préparait un parcours mathématique seulement pour du cylindre, la surface du cylindre, le volume du cylindre et tout ça. Thierry? Okay. Et nous préparons ça et les élèves, on a deux groupes différents. Un groupe a la même tâche sur la salle de classe et l'autre étudiant à dehors et elle fait et il fait le parcours de mathématiques. Hein? Le même tâche, mais dehors, en objet réel, hein, réel. Et nous, et le résultat est que les étudiants ou les élèves on a fait un test avant et après, et avant les élèves sont le même niveau, parce que et après les élèves qui font le parcours de maths est mieux, mais seulement qui te fait les deux fois. Et alors, la première fois, il y a presque le même, mais si tu fais les deux fois, c'est parce que la première fois, je ne sais pas la fonctionnalité de l'app et faire mathématiques dehors, c'est nouveau, alors ce n'est pas un effet, mais si tu fais la deuxième fois, et bien sûr, on n'a fait pas deux fois le même parcours mathématique, hein, c'est autre, mais aussi de mathématiques en cylindre. Alors, pour nous, c'est une indication qui dit qu'il faut faire la mathématique ou le parcours de mathématiques. Les étudiants auront accès à la modélisation mathématique. Par exemple, l'épreuve, déterminer le volume des pots de fleurs, donner le résultat en litres. Hein? Et ça, ce n'est pas un cylindre, mais ce n'est pas une cône, c'est une cône capée. Hein? Autre capée. Du coup, truncated, ok. Et nous trouvons, il y a quatre catégories pour cette tâche. En catégorie, c'est pas de solution. Hein. Il y a des élèves, elles n'ont pas de solution, mais on a
trois solutions différentes. Et cette solution, ça veut dire, elle prend le grand rayon, le petit rayon et le moyen. Hein, ok. Alors, c'est une, l'idée est un cylindre. Hein, c'est pas une cône, c'est un cylindre. Et ici, il y a un grand cylindre et un petit cylindre. Grand cylindre et le petit cylindre. Et Z élève, elle sait la formule pour cette cône, tronc de cône. Ok. Alors, ce sont les trois solutions. Ici, le grand cylindre, le petit cylindre. Ici, le moyen rayon. Et la exacte. Et tu sais, le résultat est presque le même. Ça, c'est très intéressant. Mais si tu réfléchis de ça, ce n'est pas très intéressant parce que c'est presque un cylindre. C'est la raison. OK. Autre résultat, la technologie de MasterDMAP aide à organiser et à faire fonctionner le parcours de mathématiques Mastrails et la communauté grandit. On commence ici, mars 2016, avec Zero, et on a fait la version iOS, en ce moment, de Google Phone. On a fait des versions iOS l'année dernière et ici on a une version hybride et je pense qu'en ce moment Christian et ici on a un jumelage aussi avec l'université de Turin, ouais. C'est pas loin ici hein, avec Azarello. Et il fait un MOOC, Massive Open Online Course, avec des enseignants italiens. Alors, je pense qu'après cette année, nous avons plus de 5000 épreuves. Hein. Alors, nous sommes très contents avec ça. Et ça, ce sont les participants. Alors, participants enregistrés. Et des participants enregistrés créent cette épreuve. Hein. Alors, bien sûr, en Francfort, on a créé aussi des épreuves, mais pas beaucoup. Hein. C'est vraiment les participants qui créent cette épreuve. La future, on veut faire pas seulement la mathématique en plein air, mais aussi la physique en plein air, la biologie, la géographie, la chimie peut-être. Mais on ne sait pas exactement comment faire ça. Et on veut faire la réalité augmentée avec le smartphone. On a commencé avec un petit projet. Parce que la réalité augmentée fonctionne si tu as, par exemple, si tu es dans la cathédrale hein, et tu peux faire des... Ah, c'est triste. Je n'ai pas préparé ça en français. OK. Peut-être l'année prochaine. Ou dans... Je peux expliquer ça encore une fois. OK. Alors, ça, c'est tout. Si vous plus d'intérêt, demain, on a un parcours de mathématiques, mais c'est MasterDMAP créé de Christian Mercat dans la rue de Lyon. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre patience. Hein. OK. Merci beaucoup. Merci.
Merci Mathias, merci beaucoup. Alors une petite photo, allez hop là, voilà. Toc toc. Et donc, voilà. Schlack. Très bien. Et donc, voilà, maintenant, il va y avoir des questions et je vais quand même aussi vous outiller un peu pour demain, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va passer un petit peu de temps. Ok ? Donc, est-ce qu'il y a des questions à Mathias ? Oui, bonjour, c'est vraiment très intéressant. Moi, ma question, elle est très pratique. Si on veut créer un parcours, est-ce qu'on peut utiliser cette application même si on ne fait pas partie du réseau ? Do you have to be registered in order to? Oui, oui, c'est, oui. Il faut registrer pour avoir toutes les fonctionnalités de la portail. Si tu n'es pas registré, tu peux seulement voir les tâches. Et si tu as l'application, tu peux seulement, non seulement, tu peux faire les parcours mathématiques, mais seulement les cours mathématiques publics. Moi, ça serait plutôt une question technique par rapport à l'application est-elle utilisable sur toutes les versions Android et iOS, ou est-ce qu'il faut à partir d'une certaine version seulement? Pardon. Pas compris. Versions of Android. J'ai vu que ça marchait pas sur un type d'Android qui était GNU ou je sais trop quoi. Enfin, c'était pas un Google. Hein, c'était... 4, ça marche pas. La version 4 d'Android, ça marche pas. Voilà. À partir de la version 4. Merci. Ça ne marche pas sur les très vieux. C'est sûr, il y en a. Ça marche sur tablette, par exemple. Pierre. Bonjour, je voulais juste... Quand on propose un parcours, oui. Est-ce que vos équipes vérifient si ça fonctionne enfin, voilà, comment, oui. Quel est la façon dont tout cela se régule. Ça, j'ai compris. Notre équipe fait la revue, mais on ne parle pas français. Oh, je parle un petit peu, mais on a des spécialistes dans chaque pays. Et la spécialiste de France est Christian Merca. Alors, par exemple... Des fois, je valide des choses qui ne sont pas très, très valides. Oui, mais... OK, I will not tell everything. OK. Oui, je me suis validé des choses qui n'étaient pas en français. Et je vais marcher sur les pieds. Allemand, espagnol, italien. Il parle beaucoup de langues, Christian. Alors, ici, ce sont des épreuves qui a demandé pour publication. Il y a espagnol, italien, et on a des gens en Italie et dans Espagne et qui s'occupent de ça. Et on a une stricte cahier des charges. Oui, qui fait ça, et normalement, okay. Ça, and you have also English, on a aussi de anglais, et des parcours, par exemple, et si tu veux faire ça, et je peux faire un message pour ça, normalement, si tu veux publiciter quelque chose, c'est rejeté. Normalement, parce qu'il y a quelques fautes et comme ça. Et par exemple, il y a des images pas privées, mais
dans l'Internet, ce n'est pas possible, et comme ça. C'est seulement des choses techniques. Donc, bien entendu, on vérifie pas les données numériques. Hein. Voilà, on n'est pas devant. Donc, on fait confiance à... Mais par exemple, si c'est trop serré, si on voit qu'il donne un intervalle à quelques centimètres cubes ou quelque chose de plusieurs litres, on dit non, ça va pas. Non, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a des niveaux scolaires d'indiquer 12, 13, 8. Ils correspondent à quoi, du coup ? Est-ce qu'ils correspondent à l'âge des enfants ou est-ce qu'ils correspondent à un système scolaire ? Donc 6, c'est la 6e et 7, c'est la 5e, alors. D'accord. Oui, nous demandons les spécialistes de chaque pays et ils nous donnent les niveaux scolaires. Hein. Alors, je sais que dans la France, la différence, c'est le premier, le second, comme ça, c'est pas le système allemand ou anglais, c'est une petite différence. Hein. Mais, on ne sait pas comment on peut faire ça. Hein. Des gens qui ont 15 ans ou 16 ans, c'est possible. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?